Coucou! Donc on se retrouve dans un endroit pas habituel du tout qui est ma chambre pour vous faire un tuto Instagram. J'ai partagé ce matin sur mon Instagram et sur Facebook un tuto pour faire des rouges à lèvres, enfin des lèvres mates hyper jolies. Franchement, j'ai totalement craqué sur ce tuto. Vous m'avez mis au défi, c'est parti! Donc je vous montre rapidement le tuto. C'est celui-ci pour faire des rouges à lèvres, avec des rouges à lèvres mat, mais avec un espèce de plus clair au centre des lèvres. Voilà. Donc voilà un petit peu, je trouve l'effet magnifique, donc on y va, on va tester ça ensemble. Je me suis munie de deux rouges à lèvres mat de la marque Ofra. Donc il y a ces deux teintes là, celle-ci et celle-ci, je pense que voilà, ça peut être sympa. Et je me suis munie aussi également du même article que la nana elle a sur, dans la vidéo, c'est un espèce de, vous savez c'est les dupes d'Arty Brush là, mais moi c'est ceux de U-Spicy. Voilà, une petite brosse comme ça, elle utilise ça, donc j'aurais jamais utilisé ça pour ça, mais pourquoi pas. Donc j'ai un miroir. Donc je me suis pris un miroir également, c'est vous savez le truc là, on voyait en double, de chez Action, donc on y va, hein. On va essayer ça tout de suite. Donc on va déjà poser le rouge à lèvres prune. Donc on va faire lèvre par lèvre, hein. Je pense que ce sera plus simple. Hop, je vais mettre donc au milieu le plus clair. Et on y va, on prend le petit Arty Brush et on floute. Et j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je vais rattraper ça après. Bah écoutez, c'est assez facile à faire en fait. C'est plutôt facile à faire. Donc je vais faire ma lèvre du haut. Alors, je crois que le plus compliqué dans ce tuto, c'est de pas, vous savez, faire aller les lèvres, quoi, comme on a l'habitude quand on met un rouge à lèvres. Et voilà le soleil. Donc c'est parti, je floute. Ben voilà. J'ai l'impression que ça ressort moins bien en vidéo que ce que ça fait en vrai. Bon, j'ai pas les jolies lèvres de la nana, hein. Bien entendu. Alors, je crois que je vais remettre un petit peu de clair au milieu de celle du haut. Et on refloute. Alors je vais l'essuyer sur ma main parce que je crois que le bordeaux prend beaucoup de place. Hop, et c'est parti. Si je me mets face à vous, ce sera mieux. Et là, pour le coup, j'en ai mis trop. Ouais, donc c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, hein. Elle le fait de façon simple, mais je crois que j'ai voulu faire en trop d'étapes. Et que du coup... Et voilà, le rouge à lèvres au liquide, c'est juste une plaie quand on fait des bêtises avec. Bon, j'ai clairement pas les lèvres de la nana, mais franchement, là, comme ça, en voyant dans le miroir, c'est plutôt joli. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Alors, je pense que en vidéo, ça n'a pas du tout le même effet. Je vais essayer de vous bouger et de vous montrer un petit peu plus à la lumière. Voilà. Donc voilà, je referai ce tuto parce que franchement, enfin je referai ce tuto pour moi dans la vie de tous les jours parce que franchement je trouve ça hyper sympa. Je regarde dans le retour caméra, c'est quand même assez joli. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu, enfin ce petit essai tuto Instagram rapide vous aura plu. J'ai bien envie de continuer ce petit style de vidéo parce que je me suis bien amusée à faire ce tuto. Donc si ça vous intéresse de me lancer des défis et j'en ferai de, bah, n'hésitez pas, voilà.
N'hésitez pas sur Facebook et tout ça, Instagram, à me lancer des petits défis et puis j'y répondrai avec grand plaisir de temps en temps. Voilà, voilà, donc je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!